Georges Bérard, une vie consacrée à la danse. Un coup d'œil à la vie d'un homme qui a mis en pratique ses propres mots. Dans la vie, faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Le maître Bérard a eu la chance de découvrir très jeune ce qu'il voulait faire, danser. Et il a dédié sa vie à l'exercice blanc de la danse en tant que professeur, chorégraphe et créateur de nombreux ballets. Il naît à Montréal, Canada, le 27 septembre 1927. Là, Georges Bérard a commencé sa préparation artistique. Après de longs voyages par plusieurs pays, d'abord en France, au Guatemala et au Salvador, il décide définitivement de s'installer à Aguascalientes, au Mexique. Ici, son œuvre la plus chère a été la création du ballet d'Aguascalientes, compagnie qui a fait vivre l'art de la danse dans notre province et ses environs. Aujourd'hui, l'école de danse de l'Université des Arts d'Aguascalientes porte son nom. Comme j'étais étudiant dans une école de danse à Montréal, j'ai décidé de partir à Paris parce que je pensais que la danse avait commencé à Paris. J'ai commencé à étudier avec des différents professeurs, donc Serge Peretti de l'Opéra de Paris. Et j'ai travaillé, j'ai pris des classes tous les jours et j'ai resté 5 ans parce que en fait, je ne savais pas combien de temps je resterais, mais enfin, au bout de 5 ans, on m'a offert de revenir au Canada, à Montréal, à la télévision, ça commençait. Alors, j'ai revenu à Montréal.